Salut à tous, c'est Thomas Santat ici, j'espère que vous allez bien chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Savetech Ages, le modpack de la progression. Aujourd'hui, eh bien, on va faire ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire construire notre Tipeee, mais également construire un tambour. Alors, on va découvrir un petit peu comment ça va se passer pour les deux. Normalement, pour le tambour, il nous faut juste du bois et un morceau de cuir, cuir qu'on a déjà fait, du coup, dans le dernier épisode. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié ça. Et de cuir qu'on avait déjà fait dans le dernier épisode. Maintenant, malheureusement, ce qu'il va nous falloir, eh bien, c'est des bâtons. Parce que, on n'a plus de bâtons pour le tipi. Du coup, ce qui sera bien, d'avoir des bâtons. Hop. Du coup, on va retourner dans notre fameuse forêt, là, qui est juste ici, pour récupérer les fameux bâtons. Alors, coucou de Wolf Meat. Ah, ça marche quand même vachement mieux. Oh, c'est incroyable. Et du coup, ça me régène. Oh, oh, oh c'est excellent. Oh. Mais attends, mais ça régène de ouf, en fait. Genre, ça te met carrément des cœurs d'absorption. Mais c'est génial. Alors, par contre, du coup, oui, j'étais absorbé par ça. Mais j'ai pas regardé s'il y avait des bâtons. Parce que du coup, moi, je veux des bâtons. Give me bâtons. Ok, des bâtons. Des bâtons. Des bâtons, 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 encore des bâtons, parfait, des bâtons, on a 23 bâtons, ça va suffire, on va se récupérer un stack non plus, comme ça on n'y passe pas 3 heures. Alors, les cochons, maintenant que je sais comment vous cuire, je suis désolé, mais je vais vous abattre. Putain, ils sont chiants. Oh, viens là le cochon. Il est où le cochon? Cochon. Bon, bah, il y a un autre cochon. Ah non, c'est lui. Meurs. Meurs, cochon. Bah, j'ai eu du big belt. J'ai absolument pas eu ce que je cherchais. Faut savoir de la bouffe. Ah bah, c'est malin, ça, creeper. Putain, j'ai pas eu de bouffe, là, sans déconner. Bon, big belt, on peut le virer, parce qu'on a déjà de quoi faire pas mal de cuir. Voilà. Et putain, je suis sûr il m'a donné de la bouffe, mais moi je récupère le big belt automatiquement, et je sais pas pourquoi. Oh, des bâtons. Ah, il y a un cochon dans l'arbre. Il y a spider cochon. Ah, super. Bon, on a 7 côtelettes. Je vois pas mal. Il y a un moutmout. Ah, il y a un autre moutmout. Voilà. Voilà. Bon, au moins tout ça. C'est bon. On peut atterrir dans l'eau? On atterrit dans l'eau, c'est excellent. C'est vrai qu'on peut pas nager dans cette version. Ah, c'est vrai que c'est 1.12 et que c'est pas là 1.16. Avant tout, ce qui est une excellente. Une excellente version de Minecraft pour Minecraft modé. Parce qu'il y a énormément de mods qui ont été faits sur la 1.12 et qui n'ont pas été faits pour la suite. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Comme ça, on fait carrément une réserve de bouffe. Hop. T'as plus de vie. D'où t'es en vie? Voilà, barrez-vous. Il me fait peur, le creeper. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Des tout pouic. Des tout pouic, des tout pouic. Vite. Fuyons. Hop. Pouic, pouic. Merde, c'est pas là que j'habite. Bah, ça doit être de l'autre côté, du coup. Ouais, évidemment, c'était de l'autre côté. Sinon, c'est pas drôle. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Ah, bon, on a du cuir qui est fait et tout. Tout est prêt. C'est parfait. C'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Faudra que je me fasse une salle, mec. Masse de coffres. Une salle des coffres, en fait, typiquement. Voilà, c'est une salle des coffres, quoi. Est-ce que je peux récupérer ceci et ceci? Parfait. Donc, tout ceci est bon. Donc on a notre liseur, ça c'est cool. Par contre, attendez, ouais, comment c'est? Oula, alors attends. Attends parce que au secours en fait. Parce que oui, c'est vrai que la dernière fois on a refait un deuxième grill, qu'on n'a pas encore tout configuré correctement, mais qu'on a crafté. Le Tipeee, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était ça? Donc c'est ça, 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 ça. Tac, 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 tac.
Crafting stone. Merci. Et on a notre fameux tipi. Excusez-moi. Voilà, ça brûle. Je peux pas le mettre là. Je suppose qu'il faut de la terre. Du coup, à remplacer cet endroit par de la terre. Hop. Et si c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah! Ok, bah il y avait peut-être juste pas assez de. D'accord, bah on est dans notre tipi. Ok, c'est cool. Peut-être faire quelque chose de plus. Il y a peut-être un autre truc à faire après le tipi. Parce que du coup, on a fait le tipi. Ah! C'est peut-être ça. Sleeping mat. Voyons voir, comment on fait ça? Sleeping mat. Touch tin slab. Quoi? Quoi? Mais on a ça? Night touching. With touch. Dry touching. Plant dry. Touching dry. Ouais. D'accord. Non, parce que ça me donne des plantes fibres. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Qu'est-ce que tu es? Ah! Everybody! Freeze! Pour ceux qui connaissent le jeu. Hemp. C'est quoi ça? Ça ne sert à rien. Ça ne me donne pas ça par hasard. Non, parce que ça me donne du wheat. Oh non, il y a un villager, il est mort. Bah, sorry, villager. Je ne pouvais rien faire pour toi. Merde. Merde, merde, merde. Merde, merde, merde. Putain, le sleeping mat. Touched in slab. Mais comment tu fais ça? Dry touch. Oui, touch. Peut-être. Wash steams. Fresh touching. Wash steams. Mais je ne sais pas comment ça marche, moi. Fresh touching. Du rush steams. C'est quoi, c'est je coupe ça avec une épée, avec une hache? Non. Putain, je comprends pas. Touch place in world to dry. Fresh corn stalk. Avec une certaine plante apparemment
certaines plantes que je ne connais pas. Attendez, le flint, on va le dégager. J'ai dit tu dégages le flint. Il pourra peine en faire carrément ça. Et du coup... Mais du coup, je sais pas du tout. Hein. Je vois pas où ça pourrait être. Oh, c'est vachement bon celui-là. Ça, c'est bon. Hop, donc du coup, on va faire notre tambour. Voilà. Ok, donc on a fait un tambour. C'est déjà ça. On a fait un tambour. Pas à quoi il sert, mais en tout cas, on a fait un tambour. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, parce qu'il faut le... Ah oui, attends, c'est ça, le rattle. C'est quoi le rattle? Rattle. Oui, d'accord, mais je m'en fous. Jingle. D'accord, c'est avec des os et sugar cane. Ok, bon, bah, de toute façon, il nous faudra des sugar cane. Sinon, on va pas pouvoir avancer. Ah oui, c'est vrai que je voulais mettre de la bouffe à cuire. Tiens, voilà. Cuit. Et on aura les raw pork chop à mettre juste après. Bah tiens, en attendant, on va pouvoir carrément mettre... Ah, c'est ça que je voulais récupérer à la base. Hop. Pouvoir en mettre carrément à cuire. De oak bark. Carrément pour le stocker. Parce que je suis désolé, mais il nous sert un peu à rien. Hop, on récupère ceci. Et on met toutes les côtelettes de mouton. Je vais en mettre que 16. C'est déjà pas mal, 16. Bon. Optimisation de ceci. Par contre, on a fait un tipi. Mais on peut pas faire le dodo time là. C'est chiant. Peut-être ça. Je sais pas. Ah. Attends, patate. Le pupine. Non, ça donne rien. Attends, si on les met avec, avec le petit couteau, peut-être. Ah, raté. Le petit couteau. Il est où mon petit couteau? J'ai quand même pas jeté mon petit couteau. Mon petit couteau. Il est où mon petit couteau? Ah, un bug d'affichage, très bien. Non, ça ne fait rien du tout. Ça ne sert strictement à rien. On va tester, écoutez. Hein. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça. Même avec ça, ça ne sert à rien. Très bien. Je teste des choses, hein, mais... Oh là, attends, et tu fais peur aux villageois, toi. Tu fais peur aux villageois, et... Ça y est. C'est de la boue, ça, non? Oula, j'aime pas ça, moi. Quand même pas mourir avec ces conneries. Sortez-moi de là. Oh, quel enfer. Dans quoi je me suis embarqué avec lui là? Dans quoi je me suis embarqué? Mais attendez, mais c'est ça qu'on cherche? Comment je l'ai eu? Bah ouais, Rocheflet. Bah c'est bon, on en a. Je sais pas comment j'ai fait, mais on en a. Please, please.
Please, merci. Non, j'ai ressauté dedans. Oh, je suis le pire. Allez, allez. Non, ça fait que baisser. Oh putain, et en plus un farmer. Oh. Dégage. Allez, allez. Oh, tu m'as fait gâcher du bois pour tes conneries. Insupportable ce mec. Pour la peine, je t'enferme. Et c'est absolument pas pour te protéger. C'est juste pour t'emmerder. Non, par contre, tu me fais chier là. Prends beaucoup de place, monsieur. Ah, attendez, c'est pas en cassant justement les grosses herbes. Oula, attends, fais chier là, les grosses herbes. Si, c'est ça, c'est en cassant les grosses herbes. Alors, je casse les trucs en dessous, comme ça, ça m'en donne les grosses herbes, mais aussi, ça me donne de la terre pour pouvoir l'enfermer. Et on ne saura jamais pourquoi est-ce qu'il est là, mais en tout cas, il est là. Donc, du moins, on s'en souviendra plus jamais. Ok, bon bah ça va, finalement, on a trouvé par hasard, mais on a trouvé ce qu'il nous faut. Rush item, bon on va en prendre d'autres. On va en prendre d'autres. C'est bon, moi qui me suis inquiété, je me suis dit merde, on va tourner tout le reste de l'épisode parce qu'on va pas savoir quoi faire ni rien quoi, mais en fait si, c'est bon, on a trouvé. Merde, j'ai sauté sur une patate, bah tant pis. Alors, Squeezie. Alors, Rush Seeds, je m'en fous. Ça, on va le mettre là. Et on va faire ceci. Allez, c'est parti. Ok, donc du coup, ici, ça brûle aussi. Donc on peut faire cuire plein de choses. Ça, c'est cool. Allez, oh, bif. Je récupère le pork chop. Super. Ça, c'est excellent. Alors, du coup, comment on fait le sleep mat? Non, avec du touch, je sais pas quoi. Là, le dry touching. Ah putain, ouais, mais comment on fait le dry touching? Alors, attends, parce que le... Oh putain. Fresh touching. Ok, bon, bah, il en faut 4. Oh, mais ça va en cours, ok. Je sais pas du tout ce que ça fait, si tu le cuis. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut le faire chauffer? Est-ce qu'il faut le faire chauffer là-dedans, peut-être? J'en sais rien du tout. Vous savez que je n'en sais strictement rien du tout. Du coup, on verra bien. Ok, bon, en tout cas, on a fait du fresh touching, et ça, c'est cool. Et du fresh touching, on peut faire du wheat trash. Wheat touch, pardon. Et bon, on va faire plein de wheat touch. Je panique. Tant pis, le coude, au revoir. Non. Tant pis. Comment on fait du coup? Dry machin. Bon, je sais pas. Wheat touch. Ok, à quoi ça me sert? Je vais faire des cable façade. Ok. Qui est un unfamiliar item. Encore quelque chose que je ne peux pas faire. Ah. Ah, c'est ça qu'il faut mettre dedans. Ok, bah du coup ça fait sens. Bon, j'aimerais bien récupérer mon truc quand même. Mais je sais parce que le feu c'est quand même assez rare. On peut dire ça comme ça. Là. Hop. Merde. Oh, putain, ça a éteint le feu ici aussi. Oh, on va déjà faire une première partie. Là. Putain, attendez, je crois que je sais pourquoi est-ce que ça marche pas. Attendez, on va faire ça. En fait, je sais pourquoi est-ce que ça ne marche pas ici. Charcoal en bas, pourquoi est-ce qu'il a pas brûlé indéfiniment comme ce que je pensais. En fait... Dis-moi, il est là. J'ai eu peur.
Pourquoi j'ai 12 000 shopping blocks? Pourquoi ça brûle là? Merde. Bah tant pis. Au revoir les shopping blocks. Ok. Voilà, c'est parce que c'est dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, dans le mauvais sens. Ensuite, on met le grill. Et on refait tout brûler. Ah bah tant pis, il a brûlé. En bout de bois là, qui était passé, qui était mis devant là, bah il a brûlé. Mais attendez, puisque tout ça, ça brûle maintenant indéfiniment, on peut mettre ça comme ça. Ça, on craint rien. Ok, on va en faire un, on va en faire cuire un deuxième. Et du coup, on va tester. On va tester. Donc ça, ça veut dire que si tu le mets là-dessus et que tu lui maraves sa tronche à coup de hache, normalement, ça en donne deux. Bon bah il nous en faut juste un deuxième. Merde. Ah je suis plein. Touk. Donc par contre ça nous en donne deux. Ça nous en donne deux. Hop. Ok. Donc ça peut en donner un ou deux. Ok, très bien. Bon. Hop, voilà. Et on a qu'un seul liseur pour l'instant. Ah. Ah. Ça c'est chiant. Hop. Voilà, donc il nous en manque deux des liseurs qu'il faut qu'on fasse. Ok. Donc il faut qu'on fasse sécher ces deux trucs là, parce que sinon on va pas en avoir assez. Ok, ok, bon. Bah tant pis, ça va attendre un peu. Pas ce bout de bois. Je sais pas quoi en foutre de ce bout de bois. On va... J'en sais rien du tout. On va faire un coffre en attendant, tiens. Ça peut être pas mal, comme ça on perd pas de temps. Ah oui, c'est vrai. Il va falloir quelques-uns. Bah du coup notre salle à Tipeee, ça va être notre salle des coffres en fait, hein, tout simplement. Je viens de penser, ça peut être pas mal. Allez. Allez. Ok. Je crois qu'on en a assez. Ça te sert de table de craft aussi, donc let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il y en a 8. J'ai très mal compté, hein, je ne sais pas compter. Crafting rock. Voilà. Super, on a un chest. Et on va mettre ce chest ici. Ok. Ok, 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 ok. Et on va se vider un peu les poches parce que au secours. Hop. Tout. On va mettre le granit ici. On va mettre de la cobble ici. On va mettre le bone. On va le mettre ici. La cobble, on va le mettre là. On va mettre là, faisant, on va mettre là. Eucalyptus wood, on va le mettre là. Ouais, bah écoute, ça m'a l'air bon. Faire cuire ceci, parce que de toute façon, je sais pas quoi en foutre. Poupilou. Bah sinon, en vrai, après, peut-être stocker 2-3 trucs de bouffe, histoire de pas crever de faim à un moment. Ça peut être effectivement pas trop mal. Passons, on va le stocker aussi, tiens. Voilà. Comme ça, ça c'est get stocked. Et après. Parce que du coup, on aura fait ça. Donc on pourra dodo, j'espère. Quoi, il y aura lead to herd animals. Ok. Ça sert à de faire ça plus tard. Pareil. Ah non. Non, il faut que je le fasse. Et comment j'ai ça? C'est quoi herd animal? Peut-être animal domestique? Je sais pas.
J'en ai aucune idée. Vous voyez, c'est dans ces genres de moments en fait que vos commentaires me seraient extrêmement utiles. Parce que si vous avez des idées sur ce que je dois faire pour ça, moi ça m'aiderait grandement en vrai. Moi, je vais peut-être chercher des astuces sur le net aussi, hein, mais. Non, je vous avoue que ça serait grandement utile. Donc vraiment, si vous avez des astuces sur ce modpack, ou si vous trouvez des astuces sur le net que j'aurais pas forcément vu ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que vraiment, ça peut vraiment, vraiment aider. C'est très important, ouais. Voilà. Alors, attends, allez, on va les faire mourir ceux-là, parce que. Allez, dégage. Près du chasseur là-bas. Hop. Ah, bah il est explosé. Bah tant pis, c'est pas grave. Auprès du chasseur de là-bas, là. Ouais, il a l'air d'être mort. Je crois que vu que j'ai sécurisé personne dans le village, je crois que j'ai tout perdu. Vous savez quoi, je vais faire la recherche très rapido sur mon téléphone. On va se mettre dans le truc là-bas en bas. Non, je vais faire la recherche entre des épisodes. Je vais pas tourner un troisième épisode aujourd'hui, ce sera mon seul épisode d'avance. Mais voilà. Yes, un de cuir. On a déjà un de cuir. Ok. Je vais récupérer ceci. Il me faut de l'eau. Hop. Parce qu'on fait juste le matelas, puis on s'arrête là, parce que ça commence vraiment à être assez long comme petit épisode. Casse-toi, 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 merci. Hop, putain, on est niveau 20, et bien dis donc. Pas mal. Ok. Ça, c'est fermé. Maintenant. Ça c'est full, ok, bah super, c'est déjà rempli. Maintenant, qu'est-ce que je voulais? Si, je voulais un truc. J'ai oublié, putain, je me suis perdu. Excusez-moi. Si, attends. Elle. Herd animal, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais j'avais pas compris ça, moi. J'avais pas compris ça. Effectivement, faut des bases en anglais. Ok, mais du coup, en fait, on peut craft le truc et c'est juste pour dire pour créer des troupeaux d'animaux. C'est pas auprès d'un animal. Enfin, auprès de troupeaux d'animaux. Je suis complètement débile, moi. Mais ok, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Du coup, il nous faut encore un cuir en plus. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça arrive, hein. Pas très fortiche, pas très fortiche, c'est pas non plus la mort. C'est quoi, on va se battre. En attendant, on va faire passer le temps. Puis si je peux loot un morceau d'armure, ce serait quand même sympa. Non, pas de morceau d'armure, pas de morceau d'armure. Très bien, je vais me faire foutre. Hop. Voilà, bon bah, je vais me faire foutre. Je vais me faire foutre, je vais me faire foutre. Ah, du plant de fibre. Dommage qu'on peut pas en faire avec du plant de fibre. On va faire un coffre en plus. On a récupéré un petit caillou là. Parce qu'en vrai, le temps que ça, que là, tout ça, ça sèche et ce soit intéressant, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Ok, on a deux au coude. Ça va être long. Hop. Ok, donc on a un chest en plus. On peut les mettre l'un à côté de l'autre? Ouais, on peut les mettre l'un à côté de l'autre, ça c'est cool. On va fermer ça. Voilà, c'est au moins fait. Plan de fibre, on va mettre là. Non, ça on va le garder sur nous. Par contre, le pick pelt, on va le poser ici. Voilà. Yes, on a un cuir de plus. Du coup, on a notre matelas. Voilà!
Sleeping mat. Yes. Can only sleep at night. Ah. Ok. Attends, déjà, on va dégager ça parce que bon. Voilà. Poser notre type. Non. Pas un creeper. Oh non, j'ai switch d'armes sans faire exprès. Ok. Bon, du coup, très bien. On a notre sleeping mat. On va le garder sur nous. Voilà, tout le temps. Parce que c'est quand même très important. Ok, hop. On va fermer ça. Voilà, comme ça on a des coffres. Bah tiens, ça on va pouvoir le mettre aussi dans le coffre. Voilà. Et Romit. On va le mettre là. Au pork shop. Du coup, il nous faut encore un coup d'eau. Une dernière fois. Comme ça, on peut faire du cordage. Et on va pouvoir faire une laisse. Une corde. Je me comprends. Ok. Voilà. Et du coup, chers amis, je vais attendre que ça sèche. Puis on se retrouve juste après. Parce que là, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on a à faire, en fait? Use a water strainer base and insert a strainer. Each strainer tap. Ouais, mais ça, on l'a déjà fait, ça. This getting strainous. Ah non, c'est pas ça, le truc principal. Flame Grid Goodness. Attendez, on va regarder. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, si c'est ça, là... Oh, fais chier. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, Primal Chest. Qu'est-ce que c'est? Primal Chest. Oh merde! Faut qu'on parte en explo. Il faut qu'on parte en explo. Pas des PNJ là-dedans? Parce que si on part en explo, les gars, ça va être un peu chiant pour la carte. Hein. Si on n'a pas de PNJ. Merde, mais je crois que tous les PNJ sont morts. Je crois que tous mes PNJ sont morts. Si c'est le cas, c'est chiant. Un peu pas très envie de ça, en fait. Bon, il me restait le farmer, mais le farmer, c'est pas lui qui va me donner la carte. Merde. Merde, 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 merde. Bon. Et bah, j'ai envie de vous dire, tant pis. Toujours pas sec, ça, c'est toujours pas sec. Ah putain, ça fait chier, merde. Parce que du coup, faudrait qu'on fasse ça. Écoutez, hein. En attendant. J'en fiche, hein. On est d'accord qu'il faut qu'on prenne pas un poulet. D'accord, que ça marche pas pour l'achievement. Ouais, ça marche pas. Donc il nous faut obligatoirement du fish. Bon bah en attendant, on va pêcher. Hein. Bah génial ça. Rends-moi ma spire. Rends-moi ma spire.
Merci. J'ai perdu ma proie. J'ai perdu ma proie. Ouais, ma proie. Non, j'avais un magnifique petit poisson. Où est le magnifique petit poisson ? Magnifique petit poisson. Ça n'a pas marché. Est-ce que je peux l'avoir comme ça ? Ça compte ? Ça compte. Ça compte, ça compte. Ok, bon bah ça compte. Ok, ça c'est bon. I need to seek out Darkland Biome to continue your journey. Use the nature compass to locate the nearest biome. Ok, très bien. Maintenant, nature compass. Maplewood, le Calyptus Wood. Ah non, c'est du Ironwood, Securewood, Mulberry, Oakstrip. Bah, Oakstrip, ça a l'air de fonctionner avec pas mal de trucs. J'ai oublié le truc qu'il fallait à l'intérieur. On va regarder ça rapidos. Flactbone. Bon bah ça va. En vrai, avec ça, ça devrait être bon. Bah, ce sera notre programme du prochain épisode, chers amis, je pense. Nous concentrer sur la création du Flakebone. Du Flakebone et du reste. Pour créer notre fameux petit compas. Pour essayer de trouver ce fameux biome et avancer dans les âges. Ok. Non, c'est là-dedans que j'ai des plumes. Hop, voilà. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Ok, super. Bien, j'aimerais qu'on en finisse avec le liseur. Ça va être charcuté cet épisode, hein, je vous le dis. Non, c'est pas ça que je vais faire. Lead. Alors, liseur cordage. Pour ça, il nous faut du string. Il est là-bas, le string. Non, il est là-dedans, le string. Hop. Voilà. Ok, ça c'est bon. Justement, c'est des strings qu'il nous faut, je crois. Voilà, c'est ça. Hop, hop, et hop. Et ben voilà, on aura fait pas mal de trucs aujourd'hui. You make a great leader. Elle. Et du coup, maintenant, on a le horse power. Chop, chop. And pressing your luck. Ok, donc ça veut dire qu'on peut faire des grindstones avec un cheval attaché, etc, etc. Signe your luck, etc, etc. Bon, on peut faire pas mal de petits trucs. Pour inventer la roue. Gotta go fast. On peut créer une saddle. Désolé, je cherche ça, puis ensuite, ouais, on va... Ah, mais c'est super facile, en plus. Ah, bon, on va faire une selle, et puis... Puis d'autres trucs derrière, je pense. En plus du nature compass, on pourra faire ça pour le prochain épisode. En vrai, je pense que ça peut être pas mal. Bon, enfin bref. On va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Moi, j'aurai record pendant 42 minutes. Je sais pas combien de temps est-ce que vous aurez eu d'épisode, parce qu'avec les cuts, tout ça. Parce que je pense que je vous aurais pas mis les 40 minutes d'un seul coup, ça va faire beaucoup. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, même s'il aurait été un petit peu plus long que d'habitude, je pense. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, parce que c'est très important, me donner des astuces en commentaire si vous en avez, c'est très 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 important, parce que vous le voyez, sinon je galère très longtemps sur quelques petits trucs comme ça, qui pourraient être assez rapidement, pour avancer un peu. Et puis, voilà, même peut-être laisser un petit commentaire, même si c'est pas forcément une astuce, ça fait toujours plaisir. Puis, de vous abonner. Si jamais ce n'est pas encore déjà fait, avec la petite cloche évidemment, pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis voilà, on va s'arrêter ici. Merci à tous, c'était Thomas Santatassi. A plus tout le monde.